J'espère que tu vas très très bien. De mon côté, ça va super super bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une préoccupation que les gens, une question très très fréquente que les gens me posent très souvent. Comment créer un compte TikTok monétisable en Afrique? Je vais trop t'expliquer. Je vais pas créer avec vous, mais je vais expliquer. Si vous suivez le processus que je vais vous décrire, vous pouvez le faire facilement depuis votre smartphone Android. Pour le faire, il faut d'abord, ma méthode, il faut avoir un Android qui fonctionne avec vous. Il faut disposer à côté d'une connexion Internet, pas mobile, pas la connexion Internet. Il faut disposer à côté d'un Wi-Fi. Donc, je vous explique rapidement comment le faire. La toute première des choses à faire, allez simplement au niveau de prenez votre smartphone Android. D'abord, prenez votre smartphone Android. Rendez-vous dans le Play Store parce que pour télécharger cette application que tu vois à l'écran, rendez-vous dans le Play Store pour télécharger cette application. Il faut cliquer sur Play Store ici. Une fois dans Play Store, tu tapes le nom-ci. Tu tapes ce nom-ci, Tosh VPN, tu tapes dessus. Et c'est ça qu'il y a ici. Comme tu le vois, je l'ai déjà installé parce que j'ai créé récemment des comptes professionnels TikTok aux gens qui utilisent déjà. Donc, je voulais partager vous la technique processus. Installer ceci, après avoir installé, c'est bon. Sur votre téléphone, essayez maintenant d'aller connecter votre téléphone à une connexion Wi-Fi. J'ai pas dit la connexion mobile, non. C'est pas la connexion mobile, à une connexion Wi-Fi. Connectez votre smartphone Android à une connexion Wi-Fi. Après avoir fait ça, enlevez la carte SIM GSM du téléphone pour ne pas être localisé par TikTok. Enlevez la carte SIM GSM de votre téléphone. Après ça, l'étape suivante, c'est que si vous avez déjà installé l'application TikTok, c'est déjà bien. Si vous n'avez pas encore installé, je vous prie d'aller dans Play Store pour l'installer. Pour ceux qui l'ont déjà installé il y a longtemps, allez simplement au niveau des paramètres des applications. Au niveau des paramètres des applications. Et à ce niveau, il faut vider le stockage. C'est-à-dire appuyer sur effacer le stockage. Comme je vais le faire, effacer le stockage pour permettre de mettre ça à nouveau. Vider tout ce qui est effectué sur l'application au préalable. Mais après avoir fait ça maintenant, c'est bon. Vous revenez ici. Maintenant, si vous avez déjà installé cette application, touche VPN pour rentrer dans l'application. Et une fois dans l'application, vous choisissez le pays de destination. De préférence, il faut choisir la France. Et lorsque vous choisissez la France, vous allez voir l'application se présente de cette manière. Je vais vous montrer comment on se collait dessus pour que les gens ne m'envoient plus des questions par rapport à ça. Comme vous le voyez sur mon écran, c'est exactement ceci. Et pour pouvoir vous connecter, vous choisissez le pays de cette façon. Et j'ai dit dans la vidéo que je ne veux pas montrer tout ce qui va se faire. Je vais juste vous expliquer. Ben là, une fois le VPN est activé sur France, c'est bon. Vous pouvez maintenant essayer maintenant d'utiliser cette localisation pour pouvoir créer votre nouvelle adresse email. Votre nouvelle adresse email, je dis bien une nouvelle adresse email. N'utilisez pas une ancienne adresse déjà disponible. Créez une autre adresse.
Une fois l'adresse créée, c'est bon. Vous pouvez maintenant vous rendre. Je dis bien une nouvelle adresse créée. Une nouvelle adresse créée. Une fois l'adresse créée, maintenant vous pouvez vous rendre au niveau de TikTok, au niveau de l'application TikTok, toujours à la suite du processus. Vous ouvrez la votre application TikTok. Vous faites l'inscription avec Gmail. Je dis bien l'inscription avec l'adresse Gmail que vous venez juste de créer. Vous aurez l'accès, toujours le VPN activé. Vous aurez l'accès à toutes les options. Et cette compte que vous avez créé, le compte que vous, le compte au final aura la monétisation bêta et vous pouvez vous êtes directement monétisable dès que vous remplissez les conditions. Donc, c'est tout pour le processus de création d'un compte TikTok monétisé en Afrique. C'est comme ça se fait. C'est comme ça se passe actuellement. Donc, je vous ai tout expliqué. Suivez à la lettre tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai dit. Et vous aurez un compte monétisable. Merci, merci et ciao.